Et bonjour à tous, c'est Cybervivi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 sur Going Medieval. Donc la dernière fois on avait fait toute la petite forge. Entre deux, j'ai aussi demandé à déplacer mes deux fours qui étaient ici dans ce bâtiment-là. Et ça dans ce bâtiment-là. Et aujourd'hui, on va s'atteler à faire une grange qu'on va faire ici en bois. Je pense qu'ils auront quand même pas mal de terrain, les petits animaux. Ça sera et démonter ça. Et on commencera peut-être à faire une sorte de mini fort. Enfin, on verra bien. Voilà, bon, on va commencer par demander à aller abattre les arbres pourris. Ils se trouvent un peu ici. Ça fait un peu loin pour eux, mais c'est pas grave. Ça nous fait du bois et ça permet d'avoir quelque chose de plus joli dans les parages. Très bien. En fin de soirée, on ira aussi buter des sangliers là où. On fera ça avant l'hiver. Ok. Donc on va faire une petite grange. Donc la limite s'arrête vraiment ici. L'entrée de la grange, je la veux. Donc ici on aura le chemin. Et ici aussi. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est délimiter justement l'entrée. La grange, on dira qu'elle se trouve dans une clôture, quoi. Ça pourrait être vachement cool de faire ça comme ça. Donc on ferait comme ça. On viendrait jusque là. Jusque-là. Après, je pense qu'à terme, ici, on fera tout un mur. Ouais, non, on va pas faire comme ça. On va suivre la rivière. Ce sera plus cool. On ne voit rien avec l'arbre. Et ici, on aura le mur en briques. Voilà. Ici, on aura le chemin. Donc, on reste sur ça. D'ailleurs, on va peut-être le prévoir, le mur, comme ça. Au moins, il sera déjà fabriqué. Boum. Hop. 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 J'ai pas réussi à le sélectionner. Hop, hop. Et hop. Très bien. Ici j'ai déjà l'angle. Voilà. Je me trompe tout le temps. La porte, j'ai bien envie de la mettre. Ici. C'est déjà une belle petite grange, hein. On y stockera aussi tout notre foin.
Ouais, on va se dire, j'ai 1, 2, 3. On va laisser une marge de 1. Ici. Idem ici de 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va se dire 6 sur 6. Hop, hop, hop. Ça me paraît pas trop mal. On met toutes les variations. Du farid en même temps, c'est pas très grave. Alors on dit que notre gars, ouais, on peut mettre une porte là. Très bien, une porte pour faire plus joli. On repart sur ça. Très bien. On met ça. On met la toiture du coup en bois. Ici, on met des lattes de bois. Ici aussi. Tac, 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 tac. Je vais faire toutes les... Bon, je vais d'abord mettre les fenêtres. Si j'avais celui-là, il faut les remettre comme ça. Merci, monsieur. Mettre une fenêtre là, une fenêtre là. Sur le deuxième. Très bien. Ici, on leur dit... Bon, c'est juste pour le style, mais... Hop. Un petit sol. Ok, ça me paraît pas mal ça. Très bien. On va mettre... On va mettre les hoches dedans, comme ça ils peuvent manger à l'abri. À mettre la petite balise ici. Alors, les auges. 2, 3, 4. Il va nous falloir... une échelle. Il semble que j'ai... Ah, je les ai pas encore déverrouillé les échelles.
Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre l'échelle? Ici peut-être? Donc ça veut dire qu'il faut que je vire celui-là ou celui-là, un des deux. Je verrai bien après. On va mettre l'autre côté aussi, hein, ça fera plus joli. Très bien, et tout en haut, ça sera la zone de stockage du foin. Raté. Pas envie. Je verrai ça après. Ici, nous manque une petite variation. Et c'est pas trop mal. Il nous manque juste les variations, du coup. Alors les fenêtres là, ils vont un peu m'embêter parce que ça va faire moche. On va mettre comme ça sera plus joli. Adjugé. Vendu. Ouais, pas vraiment besoin d'isolation ici. Par contre, il nous faudra... ouais, ça. Une là. Une là. Une là. Une là. Une en plein milieu. Il nous faudra aussi des torches murales. Ah non, c'est pas les torches murales. Ben voilà. Là, je pense qu'on peut dire qu'on va être pas mal. Y a plus qu'à. Et voilà, notre grange est terminée. Donc on a encore 2-3 trucs à régler. Par exemple, si on veut pas les sangliers, les machins. Les échelles, je les ai bien entendu montées à l'envers. Bah non. Non, c'est bon. Lui, lui, lui et lui. Ok. On veut que du foin en très élevé. Ici, j'ai dit que je voulais un stockage. Effacer tout. Alors, je crois que c'est dans... C'est pas là, c'est dans les matériaux, non? C'est pas ça, brut. La petite sève qui fait plaisir. Ah non plus, c'est pas dans ça. C'est pas là. Ah là. Du foin. C'est très très bien.
Alors ça, vous allez me l'abattre parce que... Ah, merci. Ok. Donc ça, on peut dire jusqu'à en obtenir tout le temps. Ouf. Ouais, 20, c'est pas mal. Et ici, ils m'ont tout déplacé. Oui, donc on va pouvoir dire de démolir par couche unique. Je vais pas y arriver. La toiture. Tout ça. Et non, pas lui. Ça, vous allez me les repositionner. Pour l'instant, on va les mettre. Va les mettre. Moi, ici. Ça bloque pas, si. Alors, ah, c'est lequel que j'ai bougé? C'est lui. Et alors, au niveau de ça, produire jusqu'à en obtenir 3500. Ça, ce que je vais faire, c'est qu'il prendra que du charbon. Que du charbon jusqu'à en obtenir 3500. Toi, tu seras... Ah! Une voyageuse souffrante s'arrêta de façon hésitante, pardon, à Scotterley. Si vous lui donnez le temps de récupérer, elle vous assurait qu'elle pourrait travailler, mais pour le moment, elle était mal en point. Jack et Mina. Ok. Tu es forte en extraction et tu adores la confection, la construction et le corps à corps. Mercenaire escroc. 53 ans. Bon, allez, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on n'utilisera plus du branchage pour faire ça, on utilisera du... Ici, ça sera du charbon. Et on fera en sorte de toujours avoir du... du bois. Ici. Donc ici du bois, ici on aura tout le temps du charbon et ici tu vas nous confectionner jusqu'à en obtenir, je sais pas moi, on peut mettre combien? Et de la réserve 3, oui ça je sais. 2, 4, 6. C'est-à-dire 500 charbons. Et du coup, pardon. Ouais, 500 charbons. Et du coup, toi, tu vas utiliser que du charbon. Et toi, tu vas utiliser que du charbon. Toi, que du charbon. Que du charbon. Et toi, idem, que du charbon. Forge bois. Charbon.
Donne aussi des petits noms comme ça permettra de. Foin. Animal. Bon là ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire et on va commencer aussi du coup ah ouais non il fallait que j'essaye de faire ça je sais pas moi jusqu'à en obtenir disons 200 ça serait déjà pas mal ça. Pas assez de ressources. Ouais, parce qu'il faut du charbon, mais comme il n'y a pas encore de charbon, ça va être compliqué. Et quand tu as pas de truc, ce qu'on va dire, c'est que lui, toi, tu tournes aussi. J'ai dit quoi? 500, je crois. Voilà, comme ça, les deux pourront tourner. Très bien. Ici, c'était juste du foin. On dira juste la nourriture animale maintenant. Et nos étagères sont pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Betterave, carottes, choux, herbes. Je pense que des herbes, on pourra en mettre ailleurs aussi. Et là on est sur le cru, le cru, le cru, le cru. Ici tout ce qui est médecine. Ici toutes les bouffes. Tout, 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 tout. On va vous abattre à force parce que vous me saoulez. Ok, niveau bois, on est encore à 900. Il va pouvoir être abattu. Et eux, après, on les laisse. Lui, on va le laisser. Ok. Pourri, pourri. Pourri. Pourri, pourri. Et voilà, ce sera déjà pas mal, je pense. Ok, donc on a commencé notre mur. Il faudra qu'on le poursuive. T'as pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Ok, bon. Attends, arrête tes conneries là.
Voilà, ça on peut le démonter. Même ça on peut le démonter. On va démonter ce toit-là. Je vais faire la main parce que je sais pas pourquoi là il a pas envie. Très bien. Ok. Et je mettrai aussi ici les... Comment s'appelle ça? Les blocs de glace. On en met trois par là et tout, mais... Alors, je démonte ça pour décaler comme on avait dit. Super. Voilà. Ils vont me faire ça et on va tout repositionner. Je sais pas si on a déjà des briques de calcaire. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est pour pas gâcher, je vais faire. Je sais pas à quoi ça ressemble. Je vais faire sur 2. Et là, je vais faire sur 2. Et d'ailleurs, je me suis trompé là sur... C'est des toitures en osier. Ok, donc vous allez me péter ça aussi. Ok. Lui et lui en deux, retourner. Lui et lui en deux. Eh bien. Voilà. Et je vais pouvoir planifier du coup mon... Ma réserve. Du coup, la réserve, est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là plutôt? Je dirais. Non, ici on fera peut-être une petite maisonnette, genre la forge qui sera juste derrière. Ça pourrait être cool. Et ici, je pense que je vais mettre la forge.
Et la réserve, on va plutôt la mettre ici. J'avais fait combien? 1, 2, 3. Alors, ça faisait un bloc de combien, ça? De 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc on va partir sur du 12. Est-ce que je la fais couverte ou pas? Oui, on va la faire couverte. Alors par contre, c'est un entrepôt. Alors je dirais bien qu'on la fait couverte en bas, mais en haut, on la fait en... Ouais, on va faire ça. Et en... Mais après, on la fait ouverte. Du coup, là, je suis à 12, hein. Très bien. Faire un grand entrepôt. L'entrée, j'ai bien envie de faire une 2. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une, deux, trois. Comme ça. Une, deux, trois, quatre. Et remettre une double porte ici. Voilà. Faire tout un sol. Voilà. Ingrédients fermentation. Ouais. Bon, pour l'instant, on va laisser tout ça, mais juste pas les graines, les carcasses et les déchets. Tout le reste, pour l'instant, on le laisse. Est-ce que je ferai pas un escalier par l'extérieur? Franchement, j'ai bien envie. Genre un escalier là et un escalier là. Ensuite ça comme ça. Ça comme ça. Ouais, il va falloir des poutres. Oui, tout à fait. Là. Et là. On va être bien ça. Très bien. Une petite porte là, une petite porte là. Parce que là, on va continuer après. Pour faire un autre escalier. Comme ça. Ce sera plus joli comme ça. Il va me falloir des poutres de soutien. J'irai là. Là.
C'est surtout pour le sol, hein. Ça passe. Non. Alors, on va pouvoir en stocker des choses, hein, je vous le dis. Très bien, il manquera plus que la toiture en bois qu'on va mettre pour changer dans ce sens-là. Je me rate. Par contre, ouais, des fenêtres, des portes, porte, porte, fenêtre, fenêtre. En fait, j'ai mis des portes, mais on s'en fiche. Je pourrais retirer celui-là, je pense. Item là. Fait péter mon sol. Ok, il va me falloir des poutres en plus. Est-ce que là ça passe? Ouais. Est-ce que là ça passe? Parfait. Très bien. Voilà. J'ai mis un sol. Oh, super. On démonte ça. On dit de démolir alors, je préfère le faire par couche parce que ouais, couche unique c'est bon. Ceci est de transporter en urgence tout ça. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Et voilà notre petit entrepôt qui est terminé. Alors, j'ai encore quelques petites variations à définir. Variations que je n'avais pas faites. On va se mettre comme ça sera plus simple pour les voir.
Donc voilà, on va encore remettre peut-être ici, finir comme ça sera plus joli et comme ça sera plus sympathique. Donc voilà notre super grange, enfin grange, notre super entrepôt. Et ça, c'est plutôt cool. Donc dans cet épisode, on a fait le... Oula, qu'est-ce qui se passe ici? On a fait la grange et on aura fait l'entrepôt. Ah, c'est les animaux qui déposent et du coup, comme c'est des échelles, ils n'arrivent pas à les... Ok, après, ils peuvent déposer là. De toute façon, après, ce sera les mecs qui viendront le faire. J'ai eu un souci avec mon âtre. Donc mes colons n'étaient pas contents, ils étaient en train de mourir de faim. En fait, ça ne fonctionnait plus. J'ai dû le compacter et le décompacter, refaire les trucs. Et là, c'est de nouveau fonctionnel. On a quasiment plus de bois. On va demander à couper du bois et la prochaine fois, on se fera une jolie tour de défense. Alors, on n'a plus de bois, mais en fait... Si, on a encore plein de bois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va se faire une deuxième zone qui sera ici. Qui sera... qui contiendra en fait les matériaux... Brut, qui contiendra que le bois et les branchages. En fait, non, qui contiendra que les matériaux bruts. Et dans la zone en dessous, en fait, on va retirer les matériaux bruts. Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.